Et salut à toutes et à tous, c'est Xelas qui aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation du nouvel héros qui vient de sortir sur Mobile Legends. Donc il s'appelle Dairod, c'est un combattant. Avant que la vidéo commence, je vous invite donc à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et surtout à activer la petite cloche pour ne rien louper, ça m'aiderait énormément. Et je vous tiens à vous remercier aussi pour les 200 abonnés sur ma chaîne YouTube, ça me fait extrêmement plaisir. Et aussi merci pour tous vos messages positifs dans les commentaires, hein, vraiment merci beaucoup. Donc, au programme, je vais vous présenter ses sorts, son passif, et puis après, je vais vous mettre un petit gameplay. Donc, j'ai fait 14 kills, je crois, avec un petit maniaque. C'est très sympathique, vous allez voir. Je vous reprends juste après pour les sorts, et c'est parti. Première chose, son passif. Son passif, il est très, très simple à comprendre. Il donne 3 coups avec ses attaques basiques. Et au bout du troisième coup, il va donner un coup circulairement qui va taper tous les ennemis qui se trouvent dans cette zone. 1, 2 et 3, comme vous pouvez le voir. Et aussi, comme vous voyez, en dessous de sa barre de vie, il a une petite barre qui augmente au fur et à mesure qu'on tape. Et cette barre, comme vous voyez, ensuite, ça va vous faire un power-up sur ses deux premiers skills. Voilà. Donc, simplement, très sympathique, très utile. Son premier sort, maintenant... C'est tout simplement une scie circulaire qui va jeter donc en face de lui. Ça peut toucher plusieurs ennemis. Et comme vous pouvez le voir, avec son power-up, ça va faire plus de dommages et la scie circulaire va aller plus loin. Et bien entendu, quand on touche un ennemi avec cette attaque, il va être ralenti. Et voilà, tout simplement. Bon, c'est tout pour son premier sort. Son deuxième sort, quant à lui, est très 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 important contre les tanks. Il va permettre de faire baisser grandement la défense physique de l'adversaire. Donc comme vous pouvez le voir, il va dash sur un ennemi, puis ensuite jeter une scie circulaire sur, sur l'ennemi justement. Et avec son power-up, ça va tout simplement faire plus de dégâts. Donc ça va faire des dommages, puis ensuite baisser la défense physique de l'adversaire, donc très très utile contre les tanks. Et pour finir, son ultimate, c'est son attaque la plus puissante, c'est un sort en zone chargée. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, très très puissant. Les sorts c'est fini, je vous invite par la suite à regarder le gameplay. C'est parti. Retreat.
Let's dance, 'cause tonight we're...